Salut, c'est Sarah Fussol pour ma nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube avec comme question du jour aujourd'hui, comment faire de la méditation en ligne? Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'internet pour faire de la méditation, surtout quand on n'en a jamais fait. En ces temps de stress, par exemple, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais mourir? Combien de personnes dans ma famille vont mourir du virus? Est-ce que les infirmières et les médecins vont réussir à soigner tout le monde? Est-ce qu'ils vont pas tomber tous malades eux et donc mourir? Est-ce que tout le monde qui va être soigné finalement va pas être soigné et tout le monde va mourir par centaines et par milliers? Et est-ce que le pic a atteint son pic? Est-ce que on va redescendre? Et quand? Est-ce que je pourrais partir en vacances? Est-ce que l'État va me rembourser tout l'argent que j'ai pas gagné, même si je travaillais même pas avant? Bref, toutes ces questions sont très anxiogènes. C'est pourquoi il est important de se détendre et de méditer, c'est-à-dire de penser à rien comme si tout allait bien. Évidemment, si vous êtes confiné dans la nature, ben, c'est vachement plus simple pour vous, vous avez de la chance. Sinon, pour les autres, une simple salle de bain suffira. Voilà, donc vous vous mettez en position de méditation. Vous mettez une vidéo de méditation, c'est souvent un coucher de soleil, ce qui n'est pas vraiment utile étant donné que vous fermez les yeux. C'est vrai, quand on y pense, c'est pas hyper intelligent de mettre des couchers de soleil. Mais bon. Voilà, donc vous mettez la vidéo, hop. Namasté, bienvenue dans la méditation du matin contre le stress. Et puis vous vous concentrez. En fait, vous faites tout ce que vous dites, tout ce que vous dit la fille dans la vidéo. Voilà. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Vous êtes dans le moment présent. Oui, c'est bien. Bravo. Si des pensées désagréables vous traversent l'esprit, laissez-les passer et ne luttez pas. C'est normal. Vous êtes maintenant complètement détendu. Savourez votre relaxation et continuez de méditer. Au début, c'est un peu dur de se concentrer, mais c'est normal, on n'est pas habitué, on est débutant. Et au fur et à mesure, on arrive à mieux se relaxer et à avoir une vie meilleure. Voilà. Si on est encore en vie, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a pas trop plu en général, la méditation. Je trouve que c'est pas très très efficace. Si vous avez d'autres idées de détente et de méditation, n'hésitez pas à me les dire. Ou alors, si vous êtes méditateur professionnel, ça m'intéresse aussi d'avoir les bonnes techniques. Parce que sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Dans une prochaine vidéo, je vous raconterai comment passer le temps quand on n'a pas Internet. Parce que, par exemple, votre opérateur vous a coupé l'accès parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour payer vos factures. Voilà, à la prochaine. Salut!